Salut à tous, je suis trop bien de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire avec vous le challenge Siri choisit mon maquillage. Donc juste, petite info avant de commencer, je suis sur Samsung, donc ce sera pas Siri pour moi, ce sera l'assistant Google. C'est exactement la même chose, c'est juste que je pouvais pas appeler ce challenge Google choisit mon make-up parce que c'est déjà un autre challenge tout à fait différent. Donc je vous explique le principe vite fait, en fait c'est très très simple. J'ai par exemple devant moi 3 ou 4 fonds de teint et je vais demander à Google de choisir un nombre entre 1 et 4 par exemple. Et en fonction du nombre qu'il me dit, je vais utiliser tel ou tel fond de teint. Et je vais faire ça du coup pour toutes les étapes du maquillage. Donc c'est bon, on peut commencer. On va du coup évidemment commencer par le fond de teint. J'ai en tout premier le fond de teint 0 défaut de chez Yves Rocher qui est mon bébé. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je l'aime. En deuxième position, c'est pas un fond de teint, c'est... une poudre, mais elle est tellement épaisse et tellement teintée que je pense qu'elle fera très bien l'affaire. C'est donc une poudre de chez Yves Rocher, c'est la Pure Light en teinte, je ne sais pas. Ensuite, le troisième choix, ce sera ce petit fond de teint de chez Yves Rocher. Donc celui-là, c'est le Pure Light en teinte 500. Et pour finir, ce fond de teint en poudre de chez Sephora que je n'apprécie guère point, qui est très violet en fait, une fois sur la peau. Donc j'espère qu'il va pas me dire de choisir celui-là, c'est vraiment celui que je veux éviter à tout prix. Ok Google, choisis un nombre entre 1 et 4. Bon, 2, il m'a dit de mettre ça. J'ai pas trop la foi, mais je vais le faire. En fait, j'aime pas les fonds de teint en poudre. J'aurais tellement préféré utiliser un fond de teint liquide, là. Bref. On met partout, j'ai un jean très clair. Quelle bonne idée. Si vous saviez à quel point je suis orange... Mais c'est un truc de malade. Donc, on va passer à l'highlighter. Si vous ne le savez pas encore, c'est ma partie préférée dans le maquillage. J'aime trop trop ça. Donc j'en ai 4 à faire choisir à Google. On va voir si c'est un bon conseiller, même si ça a plutôt mal commencé. J'ai le premier highlighter, c'est un Hubbub Makeup qui est très poudreux, que moi je préfère utiliser en été sur le corps, etc. Parce qu'il est très... fondu. Ensuite, j'ai une poudre illuminatrice de chez Sephora qui est comme ça, qui est trop cute. Ensuite, les amis, je vais tester un highlighter rose. Mais regardez comme le packaging, il est trop kitty. Et pour finir, je peux utiliser en highlighter une poudre de soleil de chez Monoprix, qui est beaucoup plus claire que ma peau. Enfin, c'est très joli. Donc là, j'ai pas spécialement de préférence. J'aimerais bien tester le rose un peu. Choisis un nombre entre 1 et 4. 2. Youhou! Trop beau stylighter, je suis trop contente. En plus, appliquer par-dessus une poudre, c'est hyper facile à estomper et tout. Même si là, il n'est pas hyper bien appliqué sur tout ce côté-là. Franchement, il est trop beau stylighter. Bref, donc on va passer aux yeux. Pour ça, j'ai deux bases à paupières à faire choisir à l'assistant Google. Soit je mets une base à paupières blanche, soit je mets une base à paupières transparente qui marche pas extrêmement bien. Je suis désolée, ça a coupé. Google m'a dit de choisir le numéro 1, qui est donc la base à paupières blanche. Bonjour, je suis un cadavre. Voilà ce que ça donne de plus près, avec tous mes boutons, etc. qui ne sont absolument pas camouflés par le fond de teint que j'ai mis. Bref, on va passer aux yeux. Donc pour ça, je vous ai dit, je vais me faire un smoky, comme ça, ça m'évitera d'avoir plusieurs couleurs à utiliser, etc., etc. Je suis très rose aujourd'hui. Donc je vais demander à Google de choisir entre 3 palettes que je vais vous présenter tout à l'heure. Et une fois qu'il aura choisi la palette, je vais lui demander de choisir le fard à paupières. Donc la première palette, c'est celle-ci, la The Rock Nude de chez Maybelline New York, que j'aime bien. Mais par contre, pour faire des smokies, je la trouve un petit peu trop poudreuse. Et aussi, il y a des fards, comme vous pouvez le voir, qui sont très clairs. Donc j'aimerais pas avoir à me faire un smoky avec ces couleurs. Ensuite, j'ai la palette Gold... Ensuite, j'ai la palette Gold de chez Hello darkness, my friend. Donc ensuite, j'ai la palette Gold de chez L'Oréal Paris, qui est comme ceci. Et pour finir, la palette Beauty Glitz Glam et Shadow de chez Beauty Glazette, dont je vous avais parlé dans ma vidéo favori, qui est comme ceci. Mais là, ce qui me ferait vraiment flipper, c'est tomber sur soit cette couleur-là, soit toutes ces couleurs-là. Choisis un nombre entre 1 et 3. Elle a choisi le 1, donc je vais utiliser la palette Maybelline New York, celle que j'avais le moins envie d'utiliser. Au fait, je vous ai pas dit, j'ai mis ma couette derrière, c'est pour cacher la misère. Non mais voilà, c'est fait exprès, c'est pas un décor et tout. Donc dans cette palette, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fards. C'est parti. 10. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une magnifique tache sur mon pantalon que vous ne verrez pas. Donc la 10, c'est donc la... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Oh, ça va, tranquille, je vais me faire un smoky un peu violet. Donc la couleur que je vais devoir utiliser. Franchement, je suis assez fière du résultat parce que sachez que c'est le premier smoky que je fais en fait. Et la couleur que m'a choisi Google n'était pas si mal. Bref, donc on va finir en beauté avec les lèvres. Le premier, c'est... Oui. Le premier, c'est un rouge à lèvres rouge comme ça. J'ai pas du tout envie, ça va pas du tout aller avec ma tenue, avec le maquillage, avec rien. En deuxième, j'ai ce liquide. Je trouve qu'il est vraiment parfait pour le maquillage que j'ai fait puisqu'il est un peu violet dark et tout. Il est trop beau. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez Kiko que j'ai acheté il y a pas longtemps, qui est rose comme ça, qui va bien avec ma tenue. Et pour finir, un crayon pour les lèvres de chez Claire's qui est totalement cassé. Ouais! Donc, il m'a choisi ce petit rouge à lèvres. Comment on ne pouvait pas finir plus en beauté? Oh, il est trop bien. Bon, non, c'est horrible, je suis désolée. Enfin, genre, il est beau, mais estompé. Je sais, comme ça paraît bizarre, mais je vous jure qu'en vrai, on dirait juste une gamine. Là, on dirait autre chose qu'une gamine. Bon, bah voilà, tout le monde, cette vidéo est terminée. J'ai pas eu tout ce que je voulais exactement comme je le voulais, mais au final, c'est à peu près comestible, on va dire. Enfin bref, au final, c'est pas trop moche. Je vais juste aller me démaquiller. Je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous. Et je vous dis à ma prochaine vidéo. Bisous!